Bonjour à tous. Je vais faire une petite démonstration aujourd'hui du jeu Archero. C'est un jeu que je viens tout juste de commencer en fait. Ça fait, je crois, 3-4 jours que j'y joue. Donc c'est un jeu vraiment sympa. Là, je suis au troisième chapitre. Voilà, en fait. Après, bon, c'est un jeu où vous voyez sur le site, en fait, sur le Play Market, enfin sur la plateforme de téléchargement, vous voyez que c'est marqué, c'est un jeu illimité. Donc voilà, enfin moi je viens tout juste de commencer. Le niveau, on le voit ici, le chapitre, voyons, ça s'arrête au chapitre 16, le 17 est à venir, donc je sais pas ce qu'ils appellent illimité, bon, mais tout compte fait, je sais pas, moi ça me plaît bien le jeu, donc c'est un très bon concept au niveau graphique et tout, c'est vraiment sympa. Donc voilà. On commence comme ça. Début, mais sachez que en fait avec un des deux autres autour de moi, donc qui m'aide, comme des petits serviteurs, donc voilà. Vous n'avez pas à tirer en fait, vous déplacez simplement comme ça, et le petit archer il tire tout seul. Voilà, donc là ici on a le choix à chaque niveau. Donc là, on vient de passer au niveau 2. Vous voyez tout en haut, la barre jaune. Donc on vient tout juste de passer au niveau 2. Donc à chaque niveau passé, il vous autorise à prendre l'une des capacités en plus. Donc là, on peut choisir le vampire. Et donc là, ça dépend des niveaux. En fait, à certains niveaux, vous avez aussi, quand vous passez. Donc là, on vient de sauter deux niveaux en fait. Donc, parce que des fois, ça arrive que vous voyez, comme là, là, il nous propose un ange, propose en fait une autre capacité. Voilà. Donc là, ici, ils vont apparaître les. Après, il y a plusieurs possibilités en fait, améliorer l'archer. En fait, le héros, de faire progresser en fait le projet même. On verra tout après. Donc là, il y a possibilité de tir à la tête, soif de sang ou intelligence. Donc voilà, nous on va choisir soif de sang. Vous voyez, c'est marqué restaure les PV. Quand vous tuez des ennemis en fait. Faites restaurer la vie. Donc là on peut augmenter le niveau de la vie. On a 4, donc ils viennent tous juste disparaître, mais il y en avait 4 en fait en tout, des petits serviteurs, des petits personnages qui nous aidaient. Donc c'était la capacité vampire de poche.
galère, mais c'est assez compliqué en fait. C'est vrai que on bouge pas trop comme ça, mais c'est assez compliqué. Simplement à esquiver les tirs en fait.
Putain, désolé hein, pour le gros mot, mais c'était quoi ces graphismes de fou? Je me suis retrouvé sur Nintendo Sega à un moment. C'était quoi ça? Bref, on a terminé le chapitre. Donc là, ça y est, vous voyez, à chaque fois il y a des petits bonus comme ça qui sont donnés. Donc ça, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc voilà, nouveau chapitre, nouvelle capacité, ainsi de suite, tac tac. Donc maintenant, là, on a ce petit panier donc à récupérer. Donc on vient de terminer le chapitre, alors, le chapitre 4. Non. Donc le chapitre 4, c'est le prochain. Donc on vient de terminer le chapitre 3. Donc ici. Donc là, non, c'est simplement pour regarder une pub, pour avoir des capacités. On fait pas ça. Pardon. Donc là, on va récupérer ça. On va récupérer ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'il dit? Une pub aussi, on s'en fout. Alors. Après. Donc là. Là, ça vient tout juste d'être ouvert parce que jusqu'à présent, on n'avait pas le. On n'avait pas l'accès. Donc ici, on va découvrir ensemble. C'est des duos de héros. Évasion du temple. Danger imminent, enfin c'est des défis après je crois quotidien ou je sais pas peut-être voilà des défis en ligne parce que en fait comme ici sur la map ben, vous avez bien vu on joue tout seul contre des monstres voilà enfin programmés donc on a aucune personne en réel en face de nous donc ici vous avez vu les capacités en fait que nous avons donc bien sûr là c'était pas le personnage de départ donc parce que durant ces quelques jours j'ai fait l'augmentation de tous ces petits bonus donc vous voyez à chaque fois que vous gagnez ça le petit truc jaune au-dessus donc vous pouvez bien sûr aussi regarder par des pubs gagner 1500 je sais pas quoi donc voilà mais moi c'était en jouant simplement donc ici vous pouvez augmenter en améliorant. Donc une fois que vous avez 9500, donc à chaque fois, c'est comme une dé de lancer. Donc à chaque fois, il va vous ouvrir une des cases, il va vous augmenter un niveau, dont par exemple la force, la puissance, récupération, etc. etc. Donc ensuite, je vous ai parlé aussi des capacités qu'on gagne en fait à chaque fois, à la fin de chaque niveau. Donc ici, vous voyez bien, on a pas mal des cartes comme ça. Donc en fait, ça nous sert à améliorer ou changer notre arme, notre tenue, etc., etc. Ou d'avoir, vous voyez, les deux petits, je sais pas comment ils appellent ça. Donc des petits aides en fait qui sont autour de nous. Donc là, il s'appelle le fantôme flamboyant et le mage faucheur. Donc voilà, en fait, c'est des trucs qui, vous voyez, sur les côtés du personnage qui l'aident en fait à tuer. Donc voilà. Ensuite, donc ici, vous avez en fait à chaque fois, c'est les cartes qu'on a gagnées. Donc une fois que vous avez trois cartes identiques, ici, vous allez donc fusionner. Donc ici, vous pouvez sélectionner les cartes. Donc je vous assure, je n'ai pas à fusionner là tout de suite parce qu'en fait, dès que vous avez à fusionner, en fait, c'est-à-dire dès que vous avez les trois cartes identiques, au-dessus de fusionner, vous avez un petit point, enfin, un point d'exclamation. Ouais, un point d'exclamation en fait. Qui dit voilà un point d'exclamation rouge qui vous dit que ben, il faut y aller ici donc et sélectionner les capacités. Et d'habitude ben, les capacités sont aussi entourées en rouge qui correspondent en fait au fusionnement que vous pouvez faire. Donc là donc j'ai aucune capacité en trois exemplaires donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Mais donc ici vous voyez par exemple ici l'archer, l'arc de courage, du courage qui s'appelle. Donc moi je l'ai fusionné, c'est-à-dire deux fois. Il y avait trois arcs, je les ai fusionnés, ils sont devenus verts. Ensuite encore trois verts et qui sont devenus en bleu. Donc ça fait une arme rare. Donc bien sûr après chaque arme a ses capacités d'attaque et d'attaque plus 5 en fait. Ah, plus 5%. En fait, en général, ça veut dire que ça augmente 5, de 5% les attaques, que ce soit les petits Z qui
qui sont avec nous ou même pour nous. Donc c'est une capacité supplémentaire. Donc ici en dessous, vous avez déséquipé, bien sûr, c'est-à-dire l'enlever, de pas avoir d'armes, ou bien sûr de l'améliorer. Donc ici, celui-ci, on est au niveau 7 sur 30, donc on peut l'améliorer. Voilà. Et donc comme on a pas mal de pièces, donc on peut encore réaugmenter. Donc voilà, nous on est actuellement à une attaque de 180. Donc voilà. Ici, pareil pour les héros ici, ou celui-ci par exemple, celui-là, je l'ai jamais augmenté en fait. Donc du coup, il est au niveau 1 sur 25. Et donc on va l'améliorer au niveau... Allez, jusqu'au 4 on peut aller. Voilà, actuellement, donc on a augmenté au niveau 4. Donc ici, nos armes, on peut les trier par rareté ou niveau d'emplacement, par emplacement. Donc moi, je préfère par rareté. Donc ici, donc on voit l'arme le plus rare. La plus rare, donc ici, c'est attaque 137, alors que le nôtre, c'est attaque 180. Donc je préfère garder le mien actuellement. Donc ici, vous avez le choix aussi de changer d'héros. Donc notre héros, il attaque bien sûr avec ses armes, avec tous les équipements et tout. Il attaque à 532 et une vie à 1923. Donc ici, on peut le changer ou l'améliorer. Donc pour cela, juste à ses pieds en dessous, il y a marqué changer de héros. On clique dessus. Ici, donc on a débloqué un second héros. Voilà. On peut l'améliorer aussi, etc., etc. Donc il y a les capacités que vous voyez ici. Il est au niveau 5, augmenté bien sûr. Voilà, on achète les niveaux, on achète les augmentations, les améliorations. Mais là, il est au niveau 5. Mais tout de même, même en étant au niveau 5, il est à 156 d'attaque, alors que le nôtre, il est à 190. Même pour la vie, il est inférieur à le nôtre. Mais vous voyez en dessous, il y a une compétence que le nôtre n'a pas. Donc c'est, vous voyez, c'est marqué, vos attaques infligent l'effort poison renforcé. L'autre, il n'a aucune capacité, mais bon, je préfère actuellement celui-ci. Donc voilà, on peut améliorer le nôtre ici aussi, améliorer. Donc malheureusement, il n'y a pas assez de pièces. Je ne sais pas exactement comment ils s'appellent, les pièces Stark. Voilà, donc il n'y a pas assez. Et pour celui-ci, oh, il y a assez, donc on est à 2000, mais bon, je préfère pas utiliser les 2000 parce que vu qu'on n'a pas énormément, surtout qu'on va pas s'en servir tout de suite, donc on va le garder. Ok? Ou sinon, attendez, on va faire quelque chose. Donc là, on va l'améliorer avec mon niveau 6, comme ça il a une meilleure attaque, tout ça. On va le choisir en tant qu'héros. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément d'écart, donc on va prendre celui-ci actuellement pour l'essayer. Donc voilà, il a bien sûr les mêmes armes, les mêmes capacités, parce que ça l'a gardé. Donc voilà, c'est tout bon. Ici, il nous dit toujours de regarder la pub, c'est pour ça. Nous, on va pas regarder, on va pas faire ça. Ça ne sert à rien. On est des vrais joueurs. Donc on y va. Donc ici voilà, et vous avez le choix entre brasier, ricochet, c'est-à-dire il tape un ennemi, ensuite il tape un second, troisième, ainsi de suite. Il tape tous les ennemis d'un coup. Ça c'est très très bien. Vous avez aussi le nouveau mortel, donc c'est-à-dire le nouveau mortel, c'est quand vous tuez un ennemi, il projette ensuite, une fois qu'il est mort, il projette ensuite un nouveau tout autour de lui. Mais moi je préfère prendre le ricochet. Ça permet d'atteindre des ennemis qui sont derrière un mur ou voilà, quelque chose comme ça. Alors, donc, on va commencer. Deux tirs, ils sont tous morts. Donc là encore, c'est quelque chose pour regarder une pub, pour avoir des capacités, on fait pas ça.
Voilà, désolé. Donc on est mort, mais tout de même, on a gagné des capacités, enfin des... Ils appellent ça un butin. Mais merde, on est mort. Donc, c'est quoi le mode héros? Ah ouais, c'est quoi ça? On va essayer ça. Donc, ça, on va récupérer. Donc, chapitre 10, chapitre 20. Enfin, non, 30, niveau 30, niveau 40 du chapitre. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est bon. Donc, on va juste voir là, ce qu'il nous dit. On va récupérer tout ça. Ça c'est quoi? On va récupérer ça aussi, s'il nous donne. Parfait. Plus on en a, mieux c'est. Personne ne refuse. Donc. Voilà. Maintenant. On s'en fout. Et ça, c'est bon. Ça c'est quoi? Donc. C'est un coffre gratuit. On va pas refuser ça, on va le prendre. Donc voilà. Maintenant. Voyons ici les capacités de vol. Vu que tout à l'heure, comme je vous ai dit, à côté de fusionner, vous voyez, il y a un point d'exclamation. Donc vous cliquez dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose ou des choses qui sont ici possibles à fusionner. Donc vous voyez, tac, tac, tac. Donc comme ceci, on va fusionner. Vu que j'ai pas un débit de Wi-Fi hyper puissant, donc voilà, désolé. Donc là c'est bon. Ensuite on a ces trois bagues, je crois c'est des bagues, je sais pas exactement. Donc voilà, on va les fusionner ici aussi. Donc voilà, donc vous voyez, ils étaient argentés, maintenant ils deviennent verts. Donc si on a trois verts, ensuite ça va venir bleu. Après je sais pas ce que ça fait après le bleu, mais bon, ça veut dire c'est le troisième niveau de en fait de l'objet, voilà, de la capacité. Ensuite, on va retourner sur la map. Ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça peut vous servir. Alors, vous voyez, il nous propose directement un rare en vert. Donc, on va l'acheter au lieu de 180-60. Donc, si on retourne là, donc vous voyez, fusionner se rallume. Donc, ça veut dire qu'il y a celui qu'on a acheté, on avait déjà en deux exemplaires. Donc vous voyez, on a trois actuellement, donc trois verts. On va les fusionner, donc pardon, il va devenir bleu. Bag blue. Donc il devient rare. Donc hop, on va retourner. On va voir par rapport à notre bague. Ici, bague taureau, qui est plus 28. Ah, on l'a celui-ci aussi. Baglou, donc il est à 38 plus 3, donc c'est parfait. Donc ça a augmenté celui-ci automatiquement. Attendez, bag
Baglou. Baglou. Ok. Non, en fait. Donc on a deux bleus. Hâte qu'on ait un troisième en bleu pour voir ce que ça donne. Pour voir quelle capacité va-t-il être augmenté. Comment. Donc ça, c'est le les récompenses journalières. Donc, tac. On obtient ça. Pas la peine d'acheter pour l'autre des autres jours. C'est suffisant. Mais non. Ici, tout est bon, tout est réglé. On va retourner maintenant dans le nouveau mode qui vient d'être découvert. Donc le mode héros. Et donc là, on est au niveau 1. Et donc le mode héros, je ne sais pas ce que ça va donner, on va regarder. On commence. J'ai pris le tir perçant, c'est-à-dire il passe à travers le l'ennemi. Donc là, on va essayer de voir ce que ça fait. Ouais, c'est un tout petit peu plus difficile que le niveau 1 normal en fait. Vous voyez, on a bien fait de prendre le tir perçant parce qu'il y avait un ennemi ici, un second là, par là, et donc on les a tués. Vous voyez bien, mais on a bien les mêmes capacités en fait à chaque fois qu'on passe un niveau, qu'on passe même certains mondes, qu'on a toujours des petites capacités comme ça qui viennent et qui nous proposent parmi trois possibles. Donc mais je vois pas quoi ça bien encore les mêmes capacités, les mêmes jeux, enfin, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est que ça en fait. C'est comme si là actuellement, en fait, à la place de jouer au chapitre 1, on était au chapitre 3 ou 4. C'est tout. Aucun autre changement. Ça fait bien passer le temps et franchement, je vous conseille. Après, sachez aussi une chose, que je ne suis pas payé de la part d'Archero ou n'importe quel jeu pour pouvoir faire leur pub. Simplement mon avis personnel. En tant du temps comme ça à jouer à des jeux sur téléphone. Simplement je joue de temps en temps pour faire
pas si vous voyez, et si ça vous gêne, désolé, mais il y a un petit petite fenêtre de temps en temps qui s'ouvre en bas en disant qu'il y a une mise à jour Android, qui est mise à jour système qui est faite. Et franchement, j'ai pas envie de le faire, mais plus les jours passent, plus il devient vraiment agaçant parce que il met le message toutes les minutes, toutes les 30 secondes en bas qui me dit qu'il y a une mise à jour qui est prête. Mais sincèrement, j'ai envie de le désactiver, mais à part le fait de casser un peu le logiciel, de désactiver ces choses comme ça. Ben, Android, Google, c'est-à-dire Google, ben, il nous autorise pas en fait à désactiver certaines choses pour faire des mises à jour. Sachez que les mises à jour, en fait, plus le téléphone va être lourd, et plus le téléphone est lourd, enfin le téléphone est lourd, je ne comprends pas bien, hein. Je suis mort. Donc, plus le téléphone est lourd, c'est pas que le téléphone en lui-même de soi, hein, mais. Les logiciels vont devenir lourds et votre téléphone va vieillir automatiquement. Donc, et vous, vous allez acheter un autre téléphone plus tard. Parce que les logiciels, les mises à jour, tout est devenu ingérable par votre téléphone vieillissant. Alors que le téléphone n'a pas changé, vous avez toujours les 8 de RAM, vous avez toujours la même capacité, le même processeur. C'est simplement les logiciels qui sont en face. Et moi, ben, j'ai pas envie de le faire, mais je suis en train de le faire. Bien sûr, c'est pas que j'ai un téléphone vieux et tout, je suis pas un téléphone vieux, mais simplement le fait de m'obliger à faire une mise à jour. Et je trouve que. Énervant. Bien. Si on retourne ouais, aux commentaires du jeu, le jeu je le trouve vachement bien. Et bien sûr, maintenant que j'en parle. On vient de passer là. Voilà, donc là on est au 23e. Donc il y en a encore 27, enfin 26, parce que là on est au 24 tout de suite. Voilà. Et là je me suis fait un petit peu manger. Donc voilà. Voilà. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, certes, mais je n'ai pas vu de différence par rapport au mode normal. Le mode héros, ben, tout à fait ressemblant. Donc là il nous a donné. Des petits bonus, des récompenses, donc on va les récupérer. Tac. Et là, qu'est-ce que nous avons? Donc bien sûr encore, il nous propose des pubs. Ça, sincèrement, si vous ne cliquez pas volontairement sur les publicités, c'est-à-dire de regarder une publicité pour avoir une amélioration, la publicité ne va pas vous venir casser le jeu. Ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment bien par rapport à ce jeu. Les développeurs l'ont bien bien travaillé. Vous voyez, là, la mise à jour logiciel est prête pour l'installation. C'est sympa. Hein, je suis au courant parce que le message s'affiche
plus d'une centaine de fois dans la journée, donc ouais, je comprends, je commence à le savoir, c'est bon. Donc voilà. J'espère que la petite démonstration du jeu vous a plu. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Obtenir, si on obtient. Ouais, c'est bon. Donc voilà, j'espère que la démonstration du jeu vous a plu. Donc voilà, j'espère que vous regarderez, vous continuerez à regarder mes autres vidéos. Voilà, passez une excellente journée et bonne continuation à vous. À bientôt, ciao ciao.